la mission principale de nos poumons, c'est d'oxygéner le sang qui arrive au niveau des poumons, pauvres en oxygène, et de le renvoyer dans l'organisme après avoir augmenté son contenu en oxygène, ce qui lui donne une couleur plus rouge que le sang qui est arrivé au niveau des poumons, ce qu'on représente habituellement par les couleurs bleues et rouges. Et c'est ce sang riche en oxygène qui est ensuite propulsé dans le reste de l'organisme par le cœur. Donc pour que ça fonctionne, il faut de l'oxygène qui entre dans les poumons. Et au passage, on en profite aussi pour se débarrasser du CO2 produit par nos cellules. Et ça, c'est ce qu'on fait à chaque respiration. Si on regarde maintenant ce qui se passe à l'intérieur des poumons, la façon dont les choses sont organisées, c'est que cette bronche principale se divise en rameaux de plus en plus petits, un peu comme un arbre inversé, et c'est pareil de l'autre côté. Avec une multitude de divisions, chacune de ces branches se divise entre 20 et 30 fois, donc c'est sûr que je ne dois pas toutes les dessiner, mais l'idée c'est qu'à la fin, on arrive à l'extrémité de cet arbre bronchique, au niveau de ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires, qui sont groupés en petits sacs, les sacs alvéolaires. Donc ce petit groupe d'alvéoles ici, ce serait un sac alvéolaire. Et si on regarde maintenant plus près à quoi ressemble une de ces alvéoles, on va zoomer sur une de ces alvéoles en particulier. Donc c'est une sorte de petit ballon avec une paroi très fine, capable d'une certaine élasticité, et qui se situe au contact des vaisseaux sanguins. Donc on a tout près de cette alvéole un capillaire dont la paroi est elle aussi très fine, et je le dessine ici en bleu parce que le sang qu'il contient ici est encore pauvre en oxygène, mais c'est quelque chose qui change petit à petit au contact de cette alvéole, et au final on a maintenant du sang riche en oxygène qui est prêt à retourner vers le cœur et à partir en direction du reste de l'organisme. Donc cet oxygène qu'on inspire à chaque respiration se retrouve au niveau des alvéoles suffisamment près du sang pour qu'il puisse diffuser à travers la paroi de l'alvéole et la paroi de ce capillaire sanguin, ce qui fait que le contenu en oxygène de ce capillaire augmente petit à petit. Et dans le même temps, le dioxyde de carbone que nos cellules ont fabriqué en profite pour diffuser dans l'autre sens, ce qui nous permet de nous en débarrasser à la prochaine expiration. Et ces phénomènes de diffusion se produisent parce que la concentration en oxygène de l'air qui entre dans cette alvéole est plus importante que la concentration en oxygène dans le sang qui arrive au contact de l'alvéole, et c'est exactement l'inverse pour le dioxyde de carbone. Donc maintenant qu'on a cette vue d'ensemble très générale du fonctionnement des poumons, si on réfléchit aux différentes sortes de maladies pulmonaires qui existent, on peut voir qu'il y a plusieurs endroits où le fonctionnement des poumons peut être altéré. Le premier type de problème qu'on peut avoir, c'est des difficultés à faire entrer l'air à l'intérieur des poumons. Un autre type de problème, ça peut être d'avoir du mal à faire sortir l'air des poumons, au contraire. On peut avoir un problème au niveau des échanges entre les alvéoles et les capillaires sanguins. Et le dernier type de problème qu'on peut imaginer, c'est que le sang n'arrive pas au niveau de cette surface d'échange, au contact des alvéoles. Donc ce serait schématiquement comme les quatre grandes catégories de maladies qu'on peut trouver au niveau des poumons, et on va les voir une par une. Donc le premier type de maladie, celle qui limite la quantité d'air qu'on est capable d'inspirer à chaque respiration, c'est ce qu'on appelle les pathologies restrictives. Et comme c'est en inspirant qu'on fait entrer de l'air à l'intérieur des poumons, le problème principal dans les pathologies restrictives, c'est qu'on peut avoir du mal à faire entrer suffisamment d'oxygène dans les poumons, et ça peut être pour une multitude de raisons, mais qui ont en commun le fait que c'est comme si le volume pulmonaire était plus petit. Ça peut être parce que les poumons sont moins élastiques que normalement, qu'ils ont du mal à s'étendre au moment de l'aspiration, ou ça peut être parce qu'on a été obligé d'en enlever un morceau pour une opération. Mais l'idée générale, c'est qu'on perd en volume pulmonaire. C'est comme si on n'avait plus toute cette zone de poumons. Qu'elle n'était plus utilisable. On imagine bien que ça va demander plus de travail pour récupérer assez d'oxygène avec ce qu'il reste comme volume pulmonaire. Et ça peut être pour plusieurs sortes de raisons.
Ça peut être à cause d'une intervention chirurgicale, où on a été obligé d'enlever un morceau de poumon, ou bien à cause d'une maladie musculaire qui fait qu'on a du mal à expandre au maximum les poumons à chaque inspiration, donc par exemple en cas de myopathie. Et ça peut aussi être dû à une perte d'élasticité des poumons, par exemple en cas de fibrose pulmonaire, c'est-à-dire quand le tissu pulmonaire a tendance à devenir de plus en plus fibreux avec le temps, ce qui fait qu'il est moins élastique et qu'on a un moins grand volume pulmonaire pour respirer. Et cette fibrose pulmonaire, elle peut être soit d'origine génétique, soit s'installer petit à petit quand les poumons sont soumis à des périodes d'inflammation chronique. Les tissus deviennent petit à petit plus fibreux et donc moins élastiques. Un peu comme si les poumons étaient pleins de multiples cicatrices laissées par chaque période d'inflammation. Une autre grande catégorie de maladies, ce sont les pathologies obstructives. Et la raison pour laquelle on les oppose parfois aux pathologies restrictives, c'est que dans le cas des pathologies restrictives, on a surtout du mal à faire entrer l'air à l'intérieur des poumons, alors que dans les pathologies obstructives, on a surtout du mal à le faire sortir des poumons. Donc c'est surtout à l'expiration qu'on a des difficultés en cas de pathologie obstructive. Et ce que ça peut donner, c'est que les poumons peuvent avoir du mal à reprendre leur taille initiale à la fin de l'expiration. Ils peuvent rester comme trop distendus. Et ça peut être parce que toutes ces bronches à l'intérieur de ce poumon ont leur paroi épaissie. Ce qui laisse moins de place pour que l'air puisse s'échapper des poumons. Et ça peut rendre l'expiration difficile. On peut imaginer à quel point ça doit être désagréable de ne pas pouvoir vider correctement ses poumons. Et l'exemple typique de maladie obstructive, c'est ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, qui associe dans des proportions variables deux formes de la maladie, qui sont la bronchite chronique et l'emphysème. Un autre exemple de pathologie obstructive, c'est l'asthme, une maladie inflammatoire dans laquelle on a des périodes d'obstruction des bronches à chaque crise d'asthme, avec une obstruction qui est réversible. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à force d'avoir des périodes d'inflammation chronique au niveau des poumons, on se retrouve avec des cicatrices et donc un certain degré de fibrose pulmonaire. Donc en fait, on peut avoir des pathologies mixtes avec à la fois un syndrome restrictif et un syndrome obstructif. Si on en revient à notre petite alvéole de tout à l'heure, on a dit que dans la troisième grande catégorie de maladies pulmonaires, on a un problème au niveau de l'échangeur, de la surface d'échange entre l'air alvéolaire et le sang, et c'est quelque chose qui peut arriver pour plusieurs raisons. Si on dessine une petite alvéole à côté, avec un petit capillaire autour, si on imagine qu'une partie de cette alvéole est remplie par du liquide, on peut imaginer que ça va être autrement plus difficile pour l'oxygène de diffuser jusqu'au sang, puisque ça va être plus difficile pour l'oxygène de se dissoudre d'abord dans ce liquide avant de se retrouver au contact du sang, et inversement ça va être plus difficile pour le CO2 de quitter le sang pour se retrouver dans l'air expiré. Donc au final, on n'aura pas ici du sang bien rouge, bien oxygéné, mais du sang qui va rester partiellement désoxygéné, même au moment de quitter les poumons. Et ça, c'est quelque chose qui peut se produire, par exemple, en cas de pneumonie. Quand une infection gagne l'intérieur des alvéoles et qu'on se retrouve ici avec des bactéries et des débris de bactéries mélangés à des globules blancs et à des débris de globules blancs, et aussi à du mucus fabriqué par les cellules épithéliales respiratoires. Et une autre situation dans laquelle on peut se retrouver avec du liquide à l'intérieur des alvéoles, c'est en cas d'œdème pulmonaire. Ça, c'est quelque chose qui peut se produire par exemple quand le cœur a du mal à fonctionner et que la quantité de sang dans les capillaires pulmonaires augmente. On a une pression du sang à l'intérieur de ces capillaires plus grande, et comme on a ici des parois au niveau des capillaires et des alvéoles qui sont très fines,
une partie du liquide contenu dans les capillaires peut se retrouver dans les alvéoles, ce qui au final revient à la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire une diminution des échanges au niveau des alvéoles, avec au final un sang moins riche en oxygène. Et donc ce qu'on a ici, ce sont des problèmes de diffusion, mais aussi des problèmes de ventilation au niveau des alvéoles. Donc on va appeler cette troisième catégorie problème de ventilation. Ce qui va nous permettre de l'opposer à la dernière catégorie, dans laquelle on n'a pas un problème de ventilation, mais plutôt un problème de perfusion. Puisque cette fois-ci, on s'intéresse aux maladies dans lesquelles le sang n'arrive pas correctement au niveau des alvéoles. Et si on dessine encore une petite alvéole ici, avec ici un capillaire qui contient du sang pauvre en oxygène, et disons qu'on a là un caillot de sang qui obstrue ce capillaire parce qu'il est venu se bloquer à l'endroit où ces capillaires sont très fins. Donc au-delà de ce caillot, on n'a plus de sang qui passe. Et donc dans cette situation, on a beau avoir de l'oxygène qui arrive au niveau des alvéoles, s'il n'y a pas de sang qui passe au contact de cette alvéole pour le ramener en direction du cœur vers le reste de l'organisme, on a un gros problème. Donc dans cette situation, on a un problème de perfusion. Et ce qu'on a représenté schématiquement ici, c'est une embolie pulmonaire. Ce qui désigne le fait qu'un caillot qui s'est formé ailleurs dans l'organisme est arrivé au niveau des poumons et est venu se bloquer, en fonction de sa taille, dans un vaisseau plus ou moins grand. Et la sévérité de cette embolie pulmonaire dépend en grande partie de l'endroit où la circulation de sang est bloquée. Donc si on présente ici l'artère pulmonaire et ses deux branches principales, et si on imagine un gros caillot qui bloque toute l'artère pulmonaire droite par exemple, dans ce cas-là on a un gros problème, puisque l'air a beau continuer à rentrer dans les deux poumons, et bien c'est comme si seul le poumon gauche restait fonctionnel, alors que si cette embolie se produit au niveau d'une branche plus petite, disons par exemple à ce niveau-là, on aura toute une zone du poumon qui ne sera plus fonctionnelle, mais ce sera une embolie moins sévère que dans le cas où le caillot bloque une des branches principales de l'artère pulmonaire. Donc voilà quatre grandes catégories de pathologies pulmonaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certaines pathologies donnent des atteintes mixtes, comme par exemple la fibrose pulmonaire, qui provoque à la fois une restriction du volume pulmonaire utilisable, mais aussi une atteinte de la surface d'échange entre les alvéoles et les capillaires, ce qui va gêner les échanges gazeux par diffusion. Mais même si ces catégories sont un peu schématiques, elles peuvent être utiles pour comprendre les points communs entre les différentes pathologies pulmonaires.